Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Replace Rainbow. Comme toujours, tout pas à pas et du point de vue des artistes. Nous commençons avec deux balles dans la main gauche, nous les lançons vers le haut, la balle supérieure un peu plus sur le côté droit et nous les rattrapons la balle inférieure avec la main gauche et la balle supérieure avec la main droite. Ici encore une fois pour répéter. Et oui, nous faisons exactement la même chose de l'autre côté. Cette fois, nous commençons avec deux balles dans la main droite. Magnifique, on y va. Étape numéro 2. Déjà avec trois balles. Nous lançons la première balle vers le haut et exactement comme avant, les deux balles du côté droit sont la seule balle. Nous rattrapons la seule balle avec la main gauche et les deux autres balles comme appris précédemment. Jusqu'ici, tout va bien. Et ici, encore une fois, pour répéter. Que manque-t-il? Oui, vous avez raison. Ici, de l'autre côté. Déjà prêt pour l'étape numéro 3, nous commençons comme avant. Une balle en l'air, deux balles dessus, nous attrapons la seule balle, mais cette fois nous lançons la balle pour ainsi dire par-dessus l'autre balle. Oui, nous attrapons les deux balles comme toujours. Et dernier point, mais pas de moindre, la seule balle avec la main droite. Ok, encore une fois, cela semble compliqué, mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. Et bien sûr, tout aussi de l'autre côté. Bon, tout ce qu'il reste à faire est de connecter les cercles. Nous lançons les balles comme nous l'avons fait à l'étape numéro 3, mais cette fois, nous nous connectons immédiatement à l'autre cercle. La connexion finale peut se dérouler comme toujours un peu difficile, mais ne posera pas un problème pour vous. J'espère la vidéo vous a plu et comme toujours, n'oubliez pas de t'abonner, de partager et de commenter.